Avec la règle des talents volés, difficile de suivre la cadence dans The Voice. Pas de panique, Télé Loisirs vous offre un récapitulatif de tous les candidats de cette 12e saison qui ont changé d'équipe en cours de route. La 12e saison de The Voice bat son plein. Chaque samedi soir depuis le 25 février 2023, Zazie, Vianney, Amel Bent et Big Flo et Oli se disputent l'attention des artistes en herbe présents dans cette compétition diffusée sur TF1. Au terme de cette soirée d'audition à l'aveugle, chaque coach devait se retrouver avec 14 candidats en sa possession, comme le veut la règle. Cela dit, il semblerait que seul l'interprète de Rue de la Paix ait respecté les consignes avec 13 talents au compteur, en date du 8 avril. En effet, les trois autres coachs, les célèbres rappeurs toulousains occupant le même fauteuil, ont enrichi leur équipe d'un talent chacun pour Amel Bent et Vianney, puis de deux talents supplémentaires pour Big Flo et Oli. Mais cette année encore, le principe des talents volés a tout chamboulé. Le jeu des chaises musicales le 15 avril marquait le début des battles. Cette deuxième phase dans le processus de sélection de l'émission permet aux talents d'une même équipe de s'affronter en duo ou trio. À l'issue du face-à-face, le coach doit rendre son verdict et dévoiler le nom du talent qui l'emmènera au Cross Battles, la prochaine étape, causant automatiquement le départ du, ou des, concurrents sur scène. Ou son repêchage. Mais attention, le candidat est seulement sauvé temporairement. De plus, chaque sauvetage d'un coach cause l'élimination, cette fois-ci définitive, du talent précédemment repêché. Télé Loisirs vous propose de découvrir quels talents ont été volés jusqu'à présent. The Voice 2023, ces talents ont été volés et ont changé d'équipe ou ont finalement quitté l'émission le 15 avril, en début de soirée, Zazie a volé Ludmilla à Amel Bent. Cette dernière a répliqué quelques minutes plus tard en lui subtilisant à son tour Awan. Lors de la sixième battle, Big Flo et Oli ont sauvé Dame, ex-poulain de Vianney. Le 22 avril, plusieurs rebondissements se sont produits au cours de la deuxième soirée de battles présentée par Nikos Aliagas. Vianney a ouvert le bal en volant Thomas Larose à Zazie. Celle-ci lui a répondu en fin de soirée, en repêchant Marilyn Nahaman. Ludmilla a donc quitté définitivement le programme. Enfin, Amel Bent a été séduite par le groupe Los Maluno, qu'elle pique à Big Flo et Oli. Cette action entraîne l'élimination d'Awan. À lire aussi The Voice 2023, quels talents sont dans l'équipe de Big Flo et Oli, Amel Bent, Vianney et Zazie ?